C'est l'un des rares députés ouvriers, militant syndical, puis communiste. Depuis son entrée dans l'hémicycle, il se bat pour l'hôpital public. Alain Brunel, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Installez-vous, je vous en prie. Est-ce que vous désirez boire quelque chose? Un petit café, s'il vous plaît. Alors, ce sera donc un café, s'il vous plaît. Alain Brunel, vous êtes l'un des rares députés ouvriers. Vous avez commencé à l'usine à l'âge de 14 ans, c'est bien ça? Je travaillais à l'âge de 14 ans, le 16 août 1966 exactement, dans une usine de textile qui s'appelait à l'époque Paul et Gentil Berguin. Et c'était en 66, l'époque où on trouvait beaucoup de travail. Et donc c'était facile pour aller travailler puisque c'était des amis qui parlaient pour nous, etc. Donc c'était pas relationnel en fait, voilà. Mais vos parents aussi étaient ouvriers? Mes parents sont ouvriers, ma mère elle faisait des ménages, mon père a fait multiples entreprises et puis il me disait toujours je quitte une entreprise le matin, je retrouve une autre l'après-midi. C'était un peu comme ça l'ambiance. Et j'ai quitté l'école à 14 ans, merci. Et à l'époque, on n'avait pas les moyens puisque le collège, l'école n'était pas obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc on a quitté à 14 ans après le certificat d'études primaires que j'ai eu d'abord, voilà. Et j'en suis fier. Un parcours ouvrier, puis un parcours de cheminot et parallèlement un engagement syndical. Qu'est-ce qui vous fait pousser les portes de la JOC, les Jeunesses Ouvrières Chrétiennes? La JOC à l'époque... avait pignon sur rue, que dans le quartier où j'habitais, il y avait pas mal de jossistes. Ma sœur, elle était aussi jossiste avec son mari de l'époque. Et donc, naturellement, on se tournait vers la JOC. Ma mère est fort chrétienne. Tous les soirs, elle faisait sa prière. Donc, on a vécu un peu dans cette ambiance de chrétiens, de partage dans la famille. Et puis, j'en suis toujours fier. Je suis content d'avoir passé par la JOC parce que elle m'a ouvert le chemin de ce que je suis aujourd'hui. On voit là justement un rassemblement des Jeunesses Ouvrières Chrétiennes. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ça traduit bien ce que c'était à l'époque. Ouais. On avait soif de justice à l'époque. Il y avait quand même une sacrée ambiance, un sacré mouvement. J'ai vécu mai 68, j'avais 16 ans et j'allais fermer les entreprises à l'âge de 16 ans. Et je me souviens qu'il y avait des salariés qui souhaitaient avoir des syndicalistes qui viennent à la porte d'entreprise pour que ce soit le moteur de dire on fait grève, ils nous empêchent de rentrer, etc. Bon. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'être jossiste? Beaucoup de choses. D'abord la confiance en moi. Voilà. J'étais pas confiant, j'étais un peu réservé, j'osais pas trop m'exprimer. Donc on a cru en moi. Voilà. On a cru à un jeune... tel qu'il était, voilà, avec ses défauts, avec ses qualités, avec son expression. Et ça, c'est vachement important. Ensuite, ça m'a apporté aussi l'ouverture, la connaissance aussi, la soif d'apprendre. Comme j'ai quitté l'école à 14 ans, j'ai fait des cours du soir après. Voilà. C'était une forme d'éducation aussi, une forme d'éducation populaire? C'est une forme d'éducation populaire, enfin, oui, ça c'est clair. C'est l'école de la rue. Moi, j'appelais ça comme ça, c'est l'école de la rue. Et je dis toujours, je renie pas ma foi. Voilà. Ça peut poser des questions, bon, quand tu fais communiste, foi, marxiste, machin. Je dis, vous savez, autant que le marxiste arrive, on sera à la fin du marxisme et à la fin du christianisme. Et c'est pas une fin en soi, quoi. Ni le marxisme, ni le christianisme. C'est une façon de vivre, une façon de croire, c'est une façon aussi de croire aux gens, d'aller plus loin et d'essayer d'avancer avec le monde pour un monde meilleur, comme on dit. Voilà. Vous êtes croyant? Croyant, oui. Je pratique. Plus, mais je suis croyant, voilà. C'est un impact sur votre engagement politique? Non, c'est pas ça que je mets en avant. Quand je suis arrivé au groupe communiste à l'Assemblée nationale, j'ai dit que je viens de la JOC, je suis un enfant de la JOC. Donc, voilà. Moi je pense que c'est important parce qu'on apporte aussi notre manière de voir les choses. Ça veut pas dire que les communistes ou d'autres personnes dans des partis différents ne sont pas sensibles à l'être humain. Tout le monde est sensible à l'être humain. Comment vous êtes rentré ensuite au Parti communiste? Je suis arrivé au Parti communiste parce que je m'intéressais un petit peu plus à la politique à l'époque. Et il y a eu le grand débat, ce qu'on appelle la main tendue du Parti communiste avec Francette Lazare à l'époque, qui avait fait des débats, Georges Marchais aussi, qui était venu sur l'île, je suis allé les écouter, etc. Et j'étais très sensible à leurs propos et très sensible aussi à leurs propositions. Cette idée forte de dire on n'est pas qu'entre nous, il ne faut pas forcément être d'accord sur tout avec nous, on a peut-être un bout de chemin à faire ensemble. Et j'invite les chrétiens aujourd'hui à passer un petit peu pas leur foi, mais leurs idées en disant voilà, le Parti communiste reste ouvert, vous avez votre place. Et ça m'a séduit. Et voilà. Et depuis, je ne l'ai pas quitté, je suis toujours là.
Monsieur Brunel et Monsieur Michon, nous sommes candidats aux élections législatives et nous sommes qualifiés au deuxième tour. Dans la 16e circonscription du Nord, le tractage est quotidien. Ici, le taux d'abstention a battu des records et se hisse à 56%. Alors, pour soutenir leurs candidats, les militants communistes font la chasse aux abstentionnistes. Dans ce bastion communiste, Alain Brunel se qualifie de justesse pour le second tour en devançant la candidate de La République en marche d'une courte tête, 77 voix. Mais pour le second tour, il croit en ses chances de victoire. On a besoin d'un député communiste parce qu'on a besoin aussi d'un député qui puisse relayer toute la souffrance qui existe sur le territoire, toutes les gens qui sont au chômage, toutes les usines aussi où les salariés ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Vous avez été élu parce que vous êtes communiste ou parce que vous êtes ouvrier comme une partie des habitants de cette circonscription? Oui, c'est une très bonne question. Alors, j'ai été élu au nom du Parti communiste français, ça c'est sûr, parce qu'on a un parti qui est assez fort dans ce bassin minier, qui a perdu beaucoup d'influence, puisque le Front National, malheureusement, est en tête à chaque élection. Et on a vu la dégringolade, y compris dans la circonscription où je suis, où on faisait à une époque plus de 20 000 voix. Et moi, j'ai été élu à 7500 voix au premier tour. Ouvrier, je l'ai toujours été, donc je suis toujours sensible à ce qui se passe dans l'entreprise. J'ai toujours été présent à tous les mouvements de lutte qui ont lieu dans les différentes usines, à la fois publiques et privées. Voilà. Justement, quand vous voyez le Front National aujourd'hui dans ces territoires qui captent ce vote ouvrier, qu'est-ce que vous ressentez? Des fois, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment des citoyens, qui certainement, certains citoyens ont voté communiste à un moment donné, ont fait confiance au Parti communiste, aujourd'hui s'en vont sur le Front National, peut-être parce qu'ils disent on n'a plus assez d'influence, on n'est plus assez fort et on ne va pas y arriver. Ça me fait mal parce que c'est pas des valeurs humanistes qu'on défend. C'est des valeurs de haine, c'est pas des messages de solidarité. Je me dis, est-ce que les citoyens ont très bien compris ce qu'on voulait faire d'eux et comment on les utilise à ce niveau-là? Parce que quand je les côtoie au quotidien, y compris dans l'entreprise, dans les quartiers, au porte-à-porte, c'est pas ça que j'entends. Moi, je ne les condamne pas, les gens. Ils ont choisi parce qu'ils espèrent, eux, que la vie, elle va changer pour eux. Ils adhèrent pas forcément aux idées du Front National. Ils disent, voilà, il y a peut-être une personne qui va pouvoir nous défendre, il y a peut-être un parti qui va défendre nos valeurs, etc. Bon. Ça témoigne aussi qu'aujourd'hui, il faut arrêter d'attendre que tout va se régler à la place d'eux. On doit être acteur. C'est notre vie, on défend notre vie. La plus grande force qui existe, c'est le peuple. C'est les citoyens. Voilà. Et il faut que les citoyens, c'est eux-mêmes qui construisent leur vie. Et bon, aujourd'hui, on est toujours... J'ai l'impression qu'on fait toujours son marché politique, quoi. Voilà, on va faire son marché, ben un tel oui, bon, un tel non, lui a refusé ceci, lui a refusé cela, ben lui ça me va. Mais c'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'on veut nous comme changement de société? Comment on va se mettre en route, effectivement, pour construire quelque chose ensemble? Et quel est le parti qui correspond mieux pour exprimer ce que nous on vit? Parce qu'un parti sans les citoyens, c'est pas un parti. Pourquoi vous avez voulu être député? Alors j'ai pas voulu être député. C'est les camarades qui m'ont demandé de les représenter. Donc je suis parti à la bataille, évidemment. Pour moi, c'est vraiment important parce que j'ai travaillé à l'âge de 14 ans. Je milite toute ma vie et puis j'arrive ici à l'Assemblée nationale. C'est quand même... ça m'a fait quelque chose. Quand j'ai pénétré dans l'hémicycle, j'étais quand même très très ému. C'est là qu'ils votent toutes les lois. C'est quand même très très fort et ça me passe un peu, quoi, parce que je suis un peu paumé en même temps. Je suis un peu paumé parce que pour moi c'est tout nouveau. Vous sentez un peu seul comme ouvrier aussi, ex-cheminot, ex-ouvrier dans cet hémicycle? Je suis un peu seul dans cet hémicycle comme ouvrier, ça c'est clair. Je pense qu'il manque d'ouvriers. Je reste persuadé même qu'il manque des ouvriers à l'Assemblée nationale pour représenter un peu cette sensibilité ouvrière, ce qui est vécu, ce qui est les aspirations aussi exprimées. Le monde change. Hein. Quand on est député, on reste un petit peu ouvrier quand même? Tout le temps. Ça fait partie de la vie, on ne change pas, on ne se prend pas la grosse tête, surtout pas prendre la grosse tête, rester tel qu'on est. Les secondes passent comme les patients et les machines. J'ai mon tibia à la casse, on m'a oublié, j'imagine. Entre les gamins qui naissent, les accidents et les vieux. Entre état et urgence, j'ajoute un dé au milieu. J'ai vu ce vieil homme qui pour dormir contre les pilules qu'il avale. J'ai vu des proches tremblant de peur, en train d'attendre dans l'hôpital. J'ai vu des docs faire brancardiers, faire secrétaire. J'ai vu ces hommes, ces femmes, j'ai vu leur enfer. Ce clip, c'est vous qui l'avez produit? Oui. Il a été tourné devant l'hôpital de Douai.
Pourquoi vous vous êtes penché sur la situation des hôpitaux? Pourquoi l'hôpital? Pas parce que j'ai vécu des choses à l'hôpital. J'ai jamais été aux urgences de l'hôpital de Douai, sauf incognito. Mmh. Sauf incognito. Sauf jusqu'à ce que vous vous fassiez passer pour un malade. Voilà. C'est nécessaire de se faire passer pour un malade pour découvrir la vraie situation des urgences? Moi, je pense que c'est une bonne expérience parce que je dis toujours, je suis un maillon de la chaîne des 21 millions de patients qui passent dans les urgences par an et qui se rend compte aussi du travail qui a été fait, et puis aussi de leur attente, leur inquiétude, ce sentiment de ne pas se sentir en sécurité, voire aussi tout ce personnel qui court dans tous les sens et qui n'en peut plus. Voilà. Bon. Vous avez attendu 6 heures avant d'être pris par un médecin. On m'a dit, c'est pas grand-chose encore. On m'a dit, t'as de la chance, au bout de 6 heures, t'as eu de la chance. Normalement, c'est au minimum 8 heures. Voilà. Mais c'est important. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette expérience? On se rend compte de la réalité, de ce qu'ils vivent, etc. Et je peux toujours dire, en écoutant, vous avez raison, c'est important. Mais quand on est sur place, alors on peut pas faire ça à tout. Voilà. Mais moi, ça m'a apporté beaucoup, personnellement. Ça m'a apporté beaucoup. Discuter aussi avec les patients qui étaient vraiment en attente. Lui, il y avait des maux de ventre, parce que moi, j'avais prétexté des maux de ventre. Lui, il y avait des maux de ventre, il a été opéré. Voilà. Je pense sincèrement que là, on est en train d'abandonner le service public, et c'est ça qui m'inquiète. On est en train d'abandonner l'hôpital public. On met en danger les patients, et on met en danger aussi le personnel. On peut plus durer comme ça. Vous vous sentez entendu comme député sur ces questions? On touche les limites, là, du rôle et du pouvoir d'un député? Oui. On touche. Le député, il est là aussi pour exprimer, pour relayer également ce qui se passe sur le terrain. En même temps, on s'aperçoit aussi que si on n'est pas assez nombreux, si on n'a pas la majorité, nos expressions ne restent pas lettre morte, puisqu'on continue toujours à se battre, mais on se dit, bon, on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Il y a une forme de frustration. Oui, très, très. Parce que quand on a l'Assemblée nationale et puis qu'on a une sorte de rouleau compresseur qui dit c'est comme ça, ça ne changera pas, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça c'est frustrant parce qu'on se dit il y a une partie des citoyens qui ne sont pas représentés, qui ne sont pas écoutés. Et ça c'est pas tenable quoi. Parce qu'on ne peut pas être d'accord sur tout. Mais on peut dire sur tel et tel aspect, vous avez raison, on va essayer de faire un amendement pour améliorer tel et tel aspect de notre projet de loi. Là c'est pas du tout le cas, c'est comme ça, point final, on n'en discute pas. Et vous poursuivez le combat? Le combat continue. Merci Alain Brunel. Merci d'avoir accepté de vous livrer dans Et moi, et moi. Merci à vous.